Mon amour. Le serpent et Genadios sont morts. C'était Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. J'aurais aimé assister à sa mort. Ma femme. Ma femme. Si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans ? Aya est là. C'est qui ? La femme de Bayek. Je la sens, tout près. Tu la sens ? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie ? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. Là-bas. C'est quoi ? L'effet de transfert me mène à Aya. Génial. Toi qui te prenais déjà pour un super-héros. Elle est en bas. C'est à moi de faire un saut de la foi. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles ? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à parole. Putain, ce que c'est froid ! J'avais raison, elle est là ! Oh, t'es là ! Le ciel soit loué. Je sens déjà le goût du sang. Plus, Leïla. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore ? Mais alors quand ? Eh ben, pas facile de sortir d'ici. J'escalade. Et c'est dur. Alors, lâche-moi, tu veux ? Bien. Préviens-moi quand tu seras en haut. J'y retourne. Pourquoi ? J'ai fait un prélèvement ADN sur Aya. Je veux voir ses mémoires. Écoute, je comprends que ça t'excite, mais... plus on prend de risques, plus ça risque de tourner mal. C'est mon rêve, je te signale. Laisse-moi faire à ma manière. J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite.
Leila, il y a autre chose que tu dois savoir. Comme tu mélanges des séquences de gènes sans respecter le protocole, la transition entre mémoires sera sûrement imprévisible. L'imprévisible, ça m'a jamais dérangée. Ah oui ? Moi, ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour tout. Terminé d'interpréter l'ADN d'Aya. D'accord, d'accord. Qu'y a-t-il ? Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont tous morts. Justice est faite. Si tu as des questions, Apollodorus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses ? Auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'hippodrome. Hey ! Je vais dire à Phanos que Gennadios est mort et je reviens. Profite de l'hippodrome. Ha 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 ha.
Wow. Je suis Bayek. Aya m'a envoyé voir Apollodorus. Chut! Tu comprendras, je pense, que mon maître prenne des précautions vis-à-vis de ceux qu'il rencontre. J'ai une question à laquelle lui seul peut répondre. Je vais lui dire que tu cherches à le voir et qu'Aya te recommande. Attends ce soir. S'il accepte de te rencontrer, tu le trouveras près du phare. D'ici là, l'hippodrome commémore l'un de ses plus grands champions. Il y aura de la bière et des jeux. En plus des courses, bien évidemment. Alors, si le cœur t'en dit... Il s'appelait Icarus. Il fut la gloire de l'hippodrome de Canos. Idole tonitruante et bien aimé. Hélas, à la si courte vie. Jaloux, le sort, préféra compter ses victoires plutôt que ses années. Il le déclara vieux et nous priva de vie à l'âge de 24 ans. Icarus, champion dès 13 ans, dès sa première course, jusqu'à sa millième victoire, devenu Miliarius, connu la gloire et tous les honneurs. Venez à toi. Arrêtez-le.